Coucou, bon, aujourd'hui, vidéo que vous allez sans doute voir partout sur internet, on va réaménager notre chambre, trier notre chambre, ranger de toute façon pendant le confinement. On a que ça à faire. Ça va se dérouler en plusieurs étapes. La première, ça va être de ranger la chambre. Ensuite, la deuxième, on va repimper la chambre, changer les dispositions. Bref, en ce moment, on a besoin de changement, ça fait toujours du bien. Ensuite, on va faire du ménage, pas très très intéressant. Finalement, quatrième étape, trier mes vêtements. Et ça, les gars, ça va être un enfer. Bref, c'est parti. Voici notre chambre dans le plus grand. C'est un peu... Bah, ça va, mais bon, on pourrait faire mieux. Let's go! Du coup, t'es d'accord, première étape, on range comme quand c'était avant. Deuxième étape, on aménage. Troisième étape, ce sera à moi de trier mes vêtements. Puis toi, tes papiers. Ouais, enfin... Nos papiers sont juste là et toi, t'as plein de trucs qui te... Ouais, mais c'est moche. Je sais. C'est parti! Le tas de poussière qu'il y a derrière le lit. Regardez ce que je retrouve à côté de mon lit. Des bijoux. Des tips de cabbage. On a un ami qui nous a expliqué comment enrouler son câble de manière à ne pas détruire les mini filaments qui se retrouveraient dans un câble tel que celui-ci. Eh bien, il faut simplement tourner le câble. Hop, une fois dans un sens comme celui-ci, une fois dans l'autre sens. Tac, voilà. Et alors le but serait que lorsque je le laisse tomber, il soit raide. Oui. Sauf qu'on s'entend que personne ne va le faire, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Voilà. C'est genre la boîte dans laquelle je mets tous mes souvenirs depuis 3 ans, depuis que je suis à Montréal. Et je me demande si je devrais pas faire une vidéo là-dessus. J'ai plus aucune idée de ce que j'ai mis dedans. Mais regardez. C'est un truc de fou, un petit mot de Gabriel, une calculatrice. Petit souvenir de la tendre enfance. Je pense que je l'ai caché pour que personne la prenne. Je sais plus qui la voulait à un moment donné. Moi. Ben voilà. Je pense que tu t'es trompé de veste. Je pense que t'as pas pris la bonne, Gabriel. On s'attaque au bureau. C'est vraiment l'endroit où on dépose genre tout n'importe quoi. Je surveille toi. Pourquoi ? Prendre le bordel et le mettre ailleurs, ça t'est fort, hein. Nul. Là, il y a une meilleure lumière. On a retrouvé ça, c'est une jeune fille qui s'appelle Zoé qui crée plein de choses. Et on s'est dit, si on mettait ça de chaque côté de nos lits, comme ça on pourrait genre s'en servir comme rangement. Nouvel endroit à ranger, ma commode où je mets tout ce qui est accessoires, bijoux, etc. Parce que j'en porte pas tant souvent, mais au moins quand je veux en porter, genre ils sont tous à un endroit. C'est aussi là où je mets genre mes trucs pour les cheveux, vous les voyez pas, mais ça traîne vraiment. Pince. Démaquillant, un peu de maquillage, même si j'en porte presque jamais. Bref, comme il y a mon miroir, ben c'est là où je mets tout ça. Bon, voilà, j'ai rangé. En vrai, j'ai un peu mis ça comme c'était avant. Comme je vous l'avais dit, j'ai mis mes trucs pour le visage, mes trucs pour les cheveux, le strict minimum de maquillage que j'utilise. Puis après, là, il y a tout ce qui est bijoux. En dessous, c'est un peu le bordel. Donc, ça ressemble à ça. Je trouve que c'est un peu trop parfait. Donc, j'ai décidé que lui... Voilà. Ça, je vais certainement le garder pour qu'on puisse tourner une autre vidéo avec Gab. Maintenant qu'on a fini l'étape de rangement, on va faire la deuxième étape, le déménagement. On va bouger ses meubles. Comme ça. Du coup, l'idée serait de pouvoir mettre la tête de lit vers là-bas, dans le fond de la pièce. Ça libérera sûrement un peu d'espace au niveau de la penderie qui se trouve là, juste derrière. Ou alors, on avait aussi une idée, je sais pas, on en a pas reparlé, mais de mettre le lit un peu plus central. Bureau, genre là. Mais attends-moi! Non, pas sur le lit!
C'est un peu nul. Pourquoi ? Tu te sens comment là ? Je me sens bien. Franchement, c'est cool avec la fenêtre là. Entre nous, mes plans avant-après pendant toute la vidéo sont nuls à chier. Mais on va faire avec. On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai commencé le montage vidéo de la première partie de cette vidéo pour procrastiner le tri de mes vêtements. En gros, j'ai à peu près 1, 2, 3, 4 endroits où je stocke des vêtements et accessoires dans cet appartement. J'ai décidé d'essayer de suivre la technique de Marie Kondo. Spoil, j'ai pas réussi. Bonne continuation. J'ai tout marqué dans mon petit... carnet. C'est parti, je vous montre où sont stockés mes vêtements. A tout de suite. Sur ce portant, à la base, il est censé que avoir des manteaux et pas les gros manteaux. Le deuxième endroit, c'est vraiment le bordel, c'est mal rangé. Je partage ce dressing-là avec Gabriel, mais miskin. Il a juste cette partie-là dans le dressing. Le dernier endroit où je stocke des vêtements, c'est ici. Monte ton pull. T'as pris le mien, non ? Ouais, toi t'as pris le mien. Ouais, parce que toi t'as pris le mien. J'ai trop travaillé, j'ai du travail moi aussi. Il y en a qui bossent, il y en a qui essayent de réussir leur master. Allez, dispose. Dispose. Pour une fois que Gabriel étudie. Ah, tu m'as donné mal à la tête. J'y vais. Oh my god, j'ai tellement peur de faire ça. Ça va être le bordel pendant 4 jours. Pantalon. J'avais oublié ces pantalons. Oh my god. 1, 4, 9, 13, 21, 30. 31 pantalons. Ça veut dire un pantalon par jour pendant un mois. Je sais que j'aime pas faire la lessive, mais quand même. On va faire un tri. Je le garde. Ça, par exemple, c'est un pantalon qui était à ma maman. Ok, je rentre dedans, mais je trouve que ça va vraiment pas. C'est hyper beau, mais à quel moment tu veux mettre ça ? À 100% que je vais le salir dès la première utilisation. Donc, no. One eternity later. Salut ! Très mauvaise idée. Donc, ici à ma gauche, 12 pantalons que j'ai décidé de... donner ou vendre, je sais pas encore ce que je vais en faire. Suivez-moi sur Instagram pour que je vous dise si je fais un vide dressing. J'ai aussi complètement abandonné l'idée d'être bien habillée dans cette vidéo. Jogging qui me fait n'importe quoi. Oh regardez, génial. Celui-là j'ai décidé de le garder vu que je voyage tout le temps avec. Donc si vous voyez quelqu'un qui pond du cul à l'aéroport, c'est moi. Et là, je pense qu'on va passer à l'étape des hauts. Tous les hauts. Je vais vomir. Je le sais. Bon, hors de question que j'essaye tout ça en caméra. Donc, je vous retrouve dans quelques heures ou demain. Pourquoi tu filmes, même ? Oh là ! Est-ce que j'ai consenti à cela ? Je ne crois pas. Moi, je n'ai pas consenti. Comme on se retrouve, comme vous pouvez voir, ma tête ça va de moins en moins bien, mes cheveux sont de plus en plus gras. Bon, faut que je vous avoue que du coup j'ai tout fait hors caméra parce que j'avais vraiment la flemme de tout essayer. Ben maintenant, on va passer au reveal.
Premièrement, vous devez sûrement vous souvenir comment c'était avant. J'ai vraiment trié les vestes qu'il y avait sous ce portant. J'ai mis dessus les Converse que je trouvais les plus chouettes. Ensuite, je vous avais montré ce coin-là et ce coin-là. Par où commencer? Ici, j'ai mis mes sous-vêtements, mes paires de chaussures que je mettais le moins. Là, ici, il y a les t-shirts. J'ai fait en sorte qu'on les voit bien tous parce que sinon, je les oublie et je les mets pas. Nos bananes à Gab et à moi. J'ai mis tout ce qui est bob, chapeau. Tous mes hauts qui peuvent soit être mes hauts de soirée, soit les hauts que je peux mettre en été. Quelques ensembles. Bref, il n'y a pas énormément de choses. Je me suis débarrassée de vraiment pas mal de choses. Et ensuite, ici, j'ai mis tous mes pantalons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais 31 et finalement, il m'en reste 20. Dans la technique de Marie Kondo, il fallait faire en sorte que tous ces vêtements soient visibles. Donc, j'ai classé mes pantalons comme ça. Le dernier endroit... Tadam! Ici, j'ai vraiment mis tous mes vêtements d'hiver, mais j'ai mis toutes mes chaussures et quelques accessoires. Et ben, il y a encore mes caisses parce que de toute façon, j'ai pas d'autre endroit pour les mettre. Tous mes vêtements que je vais vendre, je les ai mis dans mes valises. Mes cols roulés, mes pulls à capuche, des longs manteaux. Et après, là, c'était des trucs qui appartenaient à mon grand-père que je mets quand il fait un peu plus froid. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, même si j'ai eu la flemme de tout vous montrer. J'espère que vous avez aimé le montage, que vous avez aimé passer un moment avec moi, chez moi, en confinement. Et j'espère que ça va. Restez chez vous, prenez soin de vous, faites la morale à vos proches. Je vous aime très fort.